vous la suite ce soir, Ondine, avec Olivier Marchal et Michael Youn. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner. Bonsoir. On parle de Carbone, excellent polar signé Olivier Marchal, un film musclé. Comme vous savez si bien les faire, Olivier, il est excellent, réussi avec un casting absolument extraordinaire. Et Michael Youn. Oui. Et pourtant, voilà. Le casting est extraordinaire. Il a essayé de faire des efforts. En costard, cravate, comptable. Ouais. Rôle de composition. Et évidemment. Non, j'ai fait des études de commerce, donc c'était pas si loin de moi, en fait. On en parle dans un instant en dégustant le plat préparé par Eleonora. Qu'est-ce que c'est ce soir, Eleonora? Donc c'est un timbal de riz, donc c'est la sole meunière, mais à l'italienne. Donc voilà, avec une émulsion, en fait une béchamel de prosecco, et puis un tout petit peu d'orange et citron confit par-dessus. Merci beaucoup. Bon appétit. On plaisante là sur le rôle de comptable costard cravate. C'est vrai que ça peut surprendre, mais il a bluffé tout le monde sur le tournage, Michael. Très honnêtement, oui. Nous, on s'était rencontrés sur un téléfilm où il faisait mon petit frère. Ouais, on s'en souvient. Et disons qu'on a eu une amitié éthylique. Oh, arrête, il y a ma mère qui regarde. Non, mais on s'en fout. Et c'est vrai que ça m'intéressait de le diriger dans un rôle comme ça. Et je veux dire, avec toutes les tartines de texte qu'il avait, il m'a vraiment surpris. C'est celui qui a le plus travaillé, quoi. Ouais. Ah oui. Oui, vraiment. Plus que Gérard Depardieu. Ne posez pas les commentaires, Elisabeth, s'il vous plaît. Gérard est un ami. Gérard, il a plus besoin de bosser. Il est très étonnant. Très étonnant. C'est vrai qu'il avait un rôle pas facile et qu'il s'en sort super bien. J'adore quand vous parlez des premiers souvenirs que vous gardez de Michael. C'est quand même l'homme avec lequel vous vous êtes levé tous les jours pendant des années. Et c'était ça. Bonjour. Ah, ben ça, c'est intéressant. Non, je viens juste pour vous essayer. Oh là là. Oh, les frères. Oh la vache! Ouh! Ouh! Allez, voilà! Mon idole! De cette heure à l'heure! L'émission de l'école! Voilà! Non, non, ça va pas, non! Non, mais on venait juste pour tester l'eau, monsieur. Oui, d'accord, vous vous souvenez là. Je vais prendre mon pied noir. Elle était comment, le Michael? Vous regardiez ça tous les matins? Moi, j'avoue, je me levais avec le morning line, c'est vrai. Ah, oui. Et c'est vrai que je le prenais pour un vrai trou du cul. mais qui me faisait marrer. Et quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé un garçon très attachant, très bien élevé. Exactement. Bien éduqué et très intelligent. Non, mais je dis pas ça parce qu'on s'est rencontré au Coste un soir, Dieu sait si au Coste. Il est venu vous parler en disant qu'il rêvait, qu'il adorait vos films. Il a été vraiment adorable et c'est comme ça qu'on est devenus copains. Et résultat, il donne la réplique à Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Laura Smet. Et ça vous a pas aidé avec le stress, hein, un casting pareil? Oui, c'est sûr qu'au début, quand vous arrivez, vous sentez que vous n'êtes pas forcément dans votre zone de confort. Quand vous avez l'habitude de tourner sur des comédies, mais après, c'est jamais que le même métier. C'est une façon un peu différente de s'exprimer. C'est un peu plus intérieur, un peu moins dans l'énergie, c'est un peu moins rythmique, mais c'est le même métier. Vous envoyez des tonnes de textos. Je suis nul, pardon, excuse-moi, Olivier, les premiers jours, c'est vrai, ça? Ouais. Vous savez ça, vous? Bah oui. Ah oui, non. Comment le sait, c'est dans la presse. Les premiers jours, j'avais c'est dans le dossier de presse. Moi, je discute avec l'attaché de presse. J'ai envoyé 17 textos d'excuses à Olivier. Non, les premiers jours, j'étais pas complètement à l'aise. Et moi, c'est surtout dans ses yeux à lui que j'avais envie d'être bien. Donc, c'est vrai que je lui envoyais des messages en lui disant demain, je serai meilleur. Il me dit mais arrête, tu te super. En fait, il pensait à la même chose, mais il n'osait pas me le dire. Il voulait que je garde la confiance. Et puis, il paraît que pour ne rien arranger, vous êtes tricotillomaniaque. Alors, en cherchant la définition précise sur Internet, je suis tombée que sur des sites espagnols. Mais en gros, la tricotillomanie, si j'ai bien compris, c'est le fait de s'arracher les cheveux, voire de s'arracher les poils de la barbe. Alors, moi, c'est pas les cheveux, c'est les poils de la barbe. Mais alors, j'ai arrêté. Ça fait 3-4 ans que je ne suis plus tricotylophile. Grâce à quoi je me tire d'autres trucs. Je ne peux pas tout vous dire. Hein, on est quand même à l'heure du repas. Non, mais bon, voilà, à un moment, vous posez des questions. Non, je ne me tire plus les poils de la barbe, en tout cas. Alors, il paraît justement que vous vous touchez beaucoup aussi. Oui. On va continuer sans lui. On est là pour vendre le film. Il paraît que vous avez de nombreux tics. Non, c'est vrai. Et Olivier venait me voir avec beaucoup d'élégance. Il ne me disait pas devant les autres acteurs. Parce que c'est vrai que dans la vie, là, j'essaye de me retenir, mais c'est vrai que je me touche beaucoup les yeux, la barbe, les cheveux, etc. Et donc, un peu comme l'indon. Exactement. J'essayais de reproduire ce naturel-là devant la caméra d'Olivier. Et il venait me voir assez discrètement. Il me fait
tu te touches trop, touche-toi moins de choses. Voilà, plus simple. Et c'est vrai que c'était très élégant parce qu'il ne me le disait pas devant les autres acteurs. Donc j'avais l'impression d'être un professionnel. Mais vous êtes un professionnel, vous êtes excellent dans ce film, qui est très réussi. On a tous aimé, vraiment, Carbone. On regarde la bande-annonce. Tu me balances une arnaque dans laquelle vous avez enfumé le fisc de plus de 500 patates en moins de 4 mois. Que pour ça, vous avez utilisé le fric d'un voyou notoire qui aujourd'hui vous met à l'amende. Et moi, quoi, je devrais te protéger comme ça en fermant les yeux sur toute cette merde là. Bon, si je vous file 100 000 tout de suite là, juste pour le déplacement. Ah, tu viens de rajouter tentative de corruption de fonctionnaire. Ça pourrait faire une addition un peu lourde pour un puceau qui n'a jamais connu la zanzon, tu crois pas, non? L'addition, elle sera moins lourde que les enveloppes que je vous donnerai si vous travaillez pour moi. Alors? Elle et de sa famille, y a des malfrats, plus ou moins bien équipés pour une affaire que vous traitez au cinéma dans un vrai film, et qui est une affaire qui a été d'un retentissement énorme et très complexe sur la fameuse taxe Carbone. Complexe, mais Antoine a raison, dans les paquets de textes que vous avez, Michael, il y a un moment où vous expliquez, et on comprend bien les enjeux, merci. Et ça c'est une putain de réussite. Il y a en même temps de l'humour, parce que ce sont les caractères des malfrats plus ou moins bien équipés. Il y a presque une petite louche de La Vérité si je mens, avec un clin d'œil au producteur de La Vérité si je mens, Manuel Mounz, qu'on voit dans une boîte en malfrat de haut vol. Franchement, c'est une vraie réussite. Merci. Pour moi, c'est votre... Après 36, depuis 36, ouais. C'est votre meilleur film. Claudie, il faut que tu commences à le croire maintenant. Et je suis d'accord, Michael. Vous élargissez de façon extrêmement brillante votre registre de comédien. Et plus le film avance, et notamment quand ça commence à tourner moins bien, vous êtes de plus en plus fort comme personnage qui a le doute. Eh ben, je prends. Voilà. Merci. On en profite pour dire un petit mot quand même sur Benoît, puisqu'il n'est pas là. Mais le meilleur acteur de sa génération. Il est de tous les plans du film et il est absolument prodigieux dans ce film. Oh là, on voudrait le saluer. Moi, je pense que Benoît, aujourd'hui, il a l'épaisseur d'un Venturin, il a l'animalité d'un Delon et la fragilité d'un Patrick Devers. Voilà. Et pour moi, c'est le meilleur. Sacrée référence. Non, mais je le pense sincèrement. Voilà, on connaît les problèmes de Benoît. Mmh. Il s'en sort, il se soigne, il va très bien. Il se bagarre. Le film l'aide beaucoup. Et puis, les réactions sont unanimes sur Benoît. Oui. Et ça me touche énormément parce que c'est un garçon très attachant. C'est quand même un petit frère. Mmh. Et on l'aime. Et voilà. Et c'est un bonheur, moi, que lui servir ce film. J'imagine que ces paroles vont le toucher. On le salue, j'espère, nous, de notre côté. Ouais. Ça lui fera du bien. Ouais. Et c'est vrai qu'il est incroyablement juste dans ce film et de chaque plan. Pierre le disait, ça s'inspire d'une arnaque brillantissime, quand même, et totalement amorale. La fraude à la taxe Carbone représente, selon Europol, 1,8 milliard d'euros en France et entre 5 et 10 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, détournés entre 2008 et 2009. C'est énorme. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur cette affaire avant de commencer ce film ? Je l'ai suivi de très loin. En fait, ce scénario, je l'ai repris, il a été écrit par Emmanuel Lacache. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, j'ai eu beaucoup de doutes à m'engager dans le film parce que, évidemment, c'est nos impôts après qui s'en ressentent. Donc, les personnages je trouvais les personnages très antipathiques. Et d'ailleurs, vous vous êtes éloigné de la réalité. J'ai repris l'idée. L'idée est brillante et j'ai refait l'histoire d'un petit chef d'entreprise qui est joué par Benoît qui perd la ferme construite par son papa. Et le mec, il s'est surendetté parce qu'il a voulu se mettre aux normes et tout. Et il a cette idée. Et après, ce qui va le perdre, c'est de s'associer avec des gros voyous. Ce qui est dans la réalité, c'est ça. Ils ont eu besoin de liquidités. Donc, ils se sont associés avec des gros voyous qui ont vu qu'ils prenaient quand même 500 000 euros par jour, chacun. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Les sommes sont démentes. Et c'est là où on rentre dans le règlement de compte. Peut spoiler la fin du film dès la première image. Oui, tout à fait. Ça se termine mal. Oui, ça finit mal. Chez Marshall, ça se terminera. Voilà. Chez Marshall, il y a deux standards. Ouais. Souvent, ça se termine mal. Ouais. Et il y a quand même, je ne dirais pas une fascination, mais une attirance, une séduction pour les malfrats de beaucoup de genres.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi en lisant les bouquins de Goodies, de Thompson. Bah, les meilleurs. Voilà, j'ai été toujours attiré un peu par les désespérés. Et puis, voilà, ça, c'est quelque chose qui me touche. Alors, je ne sais pas si ça vient de là. C'est malgré moi, en fait. J'y peux rien. J'ai un côté sombre. Pourtant, je suis drôle, n'est-ce pas? Non, mais je suis plutôt un mec, Mickaël. Oui, festif. Ouais, je suis festif, je suis épicurien, je suis un Gaulois, je suis de Bordeaux, j'aime la fête, j'aime les copains. C'est-à-dire, je fais du cinéma comme un gamin. C'est-à-dire que je ne me prends pas au sérieux, je fais les choses sérieusement, mais je veux juste que les gens, ils en aient pour leurs 12 balles. Quoi. Donc, quand ils vont aller voir ce film, ils vont en avoir pour leurs 12 balles. Même si c'est un polar, même si c'est noir, c'est un divertissement. Même s'il y a Michael Youn dedans, je pense qu'ils seront quand même contents. Dans votre premier film, 36, Quai des Orfèvres, il y avait déjà Gérard Depardieu, et il y avait aussi Daniel Auteuil. On va le retrouver dans cette archive. La voiture recule, on est derrière toi pendant qu'Alain s'arrache. Tout est dans la personnalité d'Olivier Marchal. Ancien de la maison, comme on dit, il a été flic à l'anti-gang avant de choisir le cinéma. Action ! On a vraiment voulu faire un grand film sur les flics. Maintenant, j'ai bouclé la boucle avec ça. J'espère que le film me fera considérer comme réalisateur à part entière et puis qu'on arrête de dire que c'est l'ex-flic qui fait des films. On a été aidé par le fait que la moitié des acteurs qui étaient sur le film étaient des vrais flics avec nous. Donc il fallait être à la hauteur, quoi. Ouais, aujourd'hui, on parle du réalisateur, t'inquiète. Oui. Mais vous savez, j'ai un petit mot pour Daniel Auteuil qui est vraiment... À la fin de 36 qui les ont fait, personne ne croyait à ce film à l'époque. Il y avait même des paris qui se faisaient dans les restaurants un peu branchés de la capitale où les producteurs pariaient de l'argent en disant le film il fera moins de 300 000, le film du flic, il va aller se planter et tout ça. Ça, c'est la vérité, je le sais de source sûre. Daniel, à la fin du tournage, il m'a juste dit le prochain, tu l'écris et c'est pour moi. C'est-à-dire que le film n'était pas sorti, on n'avait pas fait les entrées. Et moi, Daniel, j'oublierai jamais Daniel Auteuil. Pour ça, il m'a dit le prochain, on le fait ensemble. D'où est mère 73. Voilà. Ce que ne m'a pas dit Michael Youn. Oui, dis donc, Michael. Voilà. Le film n'est pas sorti, mais le prochain, c'est pour moi, papa. Alors, en attendant, Michael Youn, il y a un peu plus d'un an, vous participiez à l'émission de Mike Horn sur M6 à l'État sauvage. Il a un message pour vous. Bien. Je l'ai vu hier. Michael, je suis à Paris, dans votre jungle. Et puis, la vie ici est beaucoup plus difficile. Que la vie qu'on a eue ensemble, en fait, en Namibie. Là, maintenant, tu me manques vraiment. Et puis, j'espère que tu vas bientôt retourner pour retrouver la force et puis l'inspiration que la nature te fournit. Je suis en route. Tu peux venir quand tu veux. Laisse tes conneries à la maison et viens t'amuser avec moi. Alors, quand est-ce que vous laissez tes conneries à la maison? On avait prévu de faire la revanche, c'est-à-dire Mike, il venait passer une semaine avec moi au à coste, Paris, au coste. Au coste, dans la jungle du show business, avec les tournages et les filles de joie. Hashtag balance ton porc. Non mais... C'est génial comme il faut le faire. Oui, non mais il faut le faire. C'est vendu, mais ça s'appelait Vie ma vie à l'époque, je sais sur quelle chaîne c'était. Exactement. C'était... Et puis il y avait le retour. Mais il tiendra pas, avec lui dans le froid, on a très envie de remettre le couvert, façon de parler, et de partir au Groenland ensemble. On y va ensemble alors. Oui. Tu m'amènes. Avec Mike. On a quand même besoin d'un mec pour nous guider. Je t'avouerai que sinon on va avoir du mal. Dans le casting, la BO est géniale. Aurel San, Scred Connection, ça m'a filé un coup de jeune moi. C'est vrai. Et puis il y a un jeune rappeur qui commence à se faire un nom au cinéma, Gringe. C'est Gringe. Ouais. Ami d'Aurel San, excellent acteur. Ouais. On est allé à sa rencontre. Il a imaginé le premier roman dont vous pourriez être tous les deux les héros. Et il n'y a pas que du roman, il n'y a pas que de la fiction dans ce qu'il dit. Écoutez-le. Rappeur et comédien, Gringe est lui aussi à l'affiche de Carbone, un film qu'il a accepté avec en tête, un projet bien personnel. Aujourd'hui, il révèle la face cachée de Michael Youn et Olivier Marchal. Tout est vrai, ou presque, c'est son premier roman. Allez, je me présente Gringe, j'ai 37 ans, je suis sociologue. Et aujourd'hui, je publie mon premier ouvrage qui s'intitule « Le sens de la fête », apparaître aux éditions Carbone. Je suis rendu compte que les gens faisaient de plus en plus la gueule parce qu'il perdait le sens du collectif. Je me suis interrogé de savoir comment on pouvait rapprocher les gens les uns les autres. Je me suis dit, en faisant la fête, faire une bonne fête, encore faut-il en maîtriser ses outils. Je me suis amusé à suivre deux spécialistes de la fête,
pour réaliser ce guide pratique. Donc deux spécialistes en la personne d'Olivier Marchal et Michael Youn qui sont deux fins limiers de la bacon et grâce à qui j'ai pu référencer tout un tas de méthodes qui ont fait leur preuve. Page 49, j'aborde un chapitre sur la notion de striptease spontané, ce qui généralement déclenche une hystérie collective dans l'assistance. Et donc là, je raconte, je me rappelle de comment Michael, s'il s'agit de Michael Youn, d'un coup, durant une scène où les héros fêtent leur premier million en boîte de nuit, s'invite sur le podium d'une danseuse et se met à poil. Là où la danseuse, elle a gardé un string, ce qui fait que d'un coup, elle s'est fait voler la vedette très naturellement. Il se trouve que Michael est un expert en la matière. Alors, j'ai un truc sur l'imitation, c'est marrant. Je me rappelle de l'aisance avec laquelle Olivier, par exemple, est capable de détendre un plateau de tournage grâce à une bonne imitation. Donc, si un jour vous croisez Olivier dans la rue, n'hésitez pas à lui demander de vous faire Depardieu ou Jean-Pierre Monti. Vous allez voir, ce sera un fou rire garanti, sûr et certain. Quoi. La fête n'attend pas, c'est hyper important. Et là, je me rappelle d'une anecdote que me racontait mon ami Nicolas Duvauchel, qui participait à la première saison de Braco, et qui m'expliquait qu'après une longue journée de tournage en banlieue parisienne, il n'était pas rare de voir Olivier Marchal se servir des gyrophares de tournage pour les coller sur ses bagnoles et rentrer plus vite sur Paris boire un petit coup avec les copains. Donc il cramait la priorité aux automobilistes sur le périph, les gens qui rentraient crevés du boulot. Mais c'est pas grave, il y a une seule chose qu'il faut retenir. La fête n'attend pas et tous les moyens sont bons pour faire la fête. Ces messieurs ont été un sujet d'étude pendant le tournage, qui aujourd'hui fait que je sors mon premier bouquin et que j'ai certainement une longue carrière littéraire à venir. Quoi. Donc, merci messieurs. Karine et Cyril, merci à lui d'avoir joué le jeu. Le gyrophare, évidemment, ouais, c'est vrai. Et oui. Vous, Gérard Depardieu, ça donne quoi? Allez. Oui, là, bah, là, mais je le fais, mais j'ai... Oh, oui, wow. Dis donc, hein, oh, la chatte, là, oui. Oh, oui, ce con, là. Oui, oh, l'ingénieur du son, là. Oh, oui, oh, ta gueule, là, oui. Allez, fais pas chier, là. Allez, il est comme ça, là. Je le fais. Mais bon, je le fais pas très bien parce que voilà. C'était mieux. Quand t'as parlé de cet organe féminin, c'était peut-être bon. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure du live. Et l'artiste que nous accueillons, Pierre, a une carrière et une voix hors normes. On est d'accord. Si vous ne le connaissez pas, d'ailleurs, c'est d'abord que vous n'êtes pas très fidèle à cet avou parce qu'il était déjà venu nous voir. Lee Fields a enregistré son premier disque en 1969, au moment de l'âge d'or. Du Rhythm and Blues, et il a partagé les scènes d'artistes exceptionnels comme Kool and the Gang, que tu aimes beaucoup, ou encore Overwhite. Il revient depuis quelques années, et c'est magnifique. C'est beau qu'il soit là ce soir, alors qu'on rend hommage à Fats Domino, qui est mort ce matin à l'âge de 89 ans. Avec son groupe The Expressions, qu'on va avoir sur scène, il chante l'amour, le bonheur, la vie, sa voix est à tomber par terre, sa musique est intemporelle, et je vais retrouver mes 20 ans.